la musique à profusion pour une journée dédiée à la femme. La commune d'Abobo célèbre l'événement. Les associations, les communautés et groupements de femmes sont sensibilisés sur leurs droits et devoirs. Dans tous les domaines, on voit des femmes ministres, des femmes députées. Et nous savons que beaucoup reste à faire. Les femmes d'Abobo sont debout pour être au travail, pour atteindre les objectifs du millénaire. À Aniama, même ferveur. Un défilé de femmes exerçant dans tous les secteurs d'activité pour témoigner leur ambition à contribuer au développement de la commune. C'est véritablement toutes les compétences qui doivent être réunies pour booster le développement. Donc la femme, vecteur de développement à travers son foyer, mais à travers la nation. Nous ne devons plus être derrière. On ne doit plus répondre à l'adage qui dit que derrière un grand homme, il y a une grande dame. On doit être maintenant à côté des hommes et même pourquoi pas devant les hommes. Des femmes qui entendent jouer leur rôle dans l'émergence de la Côte d'Ivoire. Cette année, le thème retenu pour la célébration de cette journée en Côte d'Ivoire est « Femmes au travail pour les objectifs du millénaire pour le développement et l'émergence de la Côte d'Ivoire ».